Hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spik Easy. J'espère que vous allez bien, parce qu'on parle, les gars, ça va super bien, comme d'habitude. Super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu. Du coup, voilà, on va directement commencer avec toutes les informations super intéressantes. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si celles-ci vous plaisent et si vous avez la hype qu'elles arrivent dans le jeu. Et nous, on va y aller directement maintenant. Alors maintenant, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo. Bien évidemment, on a trouvé dans les fichiers du jeu qu'il se pourrait fort que bientôt on ait d'autres skins créateurs. Voilà, vous savez très bien qu'on a déjà eu des skins ninja, des skins, voilà, marshmallow, etc. Et en fait, c'est fort possible que je vous affiche ici le petit concept qu'on ait des skins un petit peu comme ceux que je vous ai affichés. Du coup, ce serait vraiment super stylé. En tout cas, moi, je me réjouis énormément de voir un petit peu tous ces petits skins arriver dans la boutique. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aussi vous avez la hype pour ça. Moi, en tout cas, je trouve que ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, je vous affiche un petit fichier du jeu vraiment très important. Il s'agit tout simplement d'un nouveau moteur pour Fortnite. Voilà, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, il y a des graphismes et tout ce qui est un petit peu de l'ordre du gameplay, etc., qui va changer. En fait, vous pourrez détruire des bâtiments, des véhicules, etc., beaucoup plus facilement. Et en fait, ce sera un petit peu plus précis, etc. En tout cas, on sait pas vraiment ce que ça va donner en gameplay. Voilà, on attend vraiment de voir des démos, etc. Mais voilà, les buildings pourront s'écrouler, etc., un petit peu à la Battlefield. Franchement, j'ai énormément de voir un petit peu ça en gameplay. Alors aussi, petite nouveauté, bientôt la saison 2 va arriver et lors de cette saison 2, eh bien en foire d'empoigne, vous commencerez directement la partie avec 100 matériels de chaque. Voilà, c'est un petit peu une information que je tenais à vous relayer, voilà, pas très importante, et voilà, de toute façon, il faut attendre la saison 2 pour voir ça, mais il y a un développeur sur Twitter qui l'a tout simplement certifié, du coup franchement, on peut lui faire confiance. Et justement, il va y avoir aussi une nouvelle mise à jour qui va tout simplement permettre à tous les joueurs de tomber contre des gens de leur niveau dans les games. Voilà, tout simplement. En fait, c'est des gens de votre niveau, mais votre niveau d'XP. Voilà, tout simplement. Si vous êtes niveau 200, eh bien, vous tomberez contre des personnes niveau 200. Voilà, je dis ça parce que moi, je suis niveau 200 et je pense que franchement, je vais tomber beaucoup plus contre des personnes niveau 200. Si vous êtes niveau 100, vous tomberez contre des personnes de niveau 100, etc. Et voilà, peut-être que ce sera plus équilibré. Peut-être que ça va engager des petites disproportions au niveau du gameplay, etc. En tout cas, on n'en sait rien du tout. On attend de voir ça. Alors maintenant, une information assez triste, voilà, que je tiens quand même à vous partager, c'est tout simplement tous les petits leaks qui s'agissaient de la saison 2, etc. Donc la cinématique et la map que je vous affiche ici étaient en fait fake. Voilà, en fait, il y a tout simplement l'auteur de ces fakes qui s'est manifesté, qui a dit que voilà, il avait créé des fakes, etc., qui avait fait réagir tout le monde sur Twitter, etc. Et en fait, voilà, tout ça c'était fake, c'était pas du tout des développeurs de Fortnite ou quoi. Voilà, je tenais quand même à vous en informer parce que voilà, c'est un petit peu triste, mais bon, il va falloir attendre des vrais leaks pour la saison 2. Et bien sûr, je vous rappelle une information assez intéressante, tout simplement, que pour le moment, sur TikTok, vous pouvez tout simplement créer votre danse, et votre danse pourrait, si elle est assez populaire, etc., se retrouver dans la boutique de Fortnite. Voilà, en tout cas, moi, je suis pas vraiment très TikTok, mais s'il y a des gens qui aiment bien faire des danses, etc., sur TikTok, n'hésitez pas à tenter votre chance pour avoir votre danse dans la boutique de Fortnite. Alors maintenant, avant de terminer cette vidéo, je tiens tout simplement à vous présenter un petit item qui a été introduit par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit tout simplement du nouveau camouflage, un petit peu lumière multicolore, comme ça franchement, en tout cas, je le trouve vraiment très stylé. Voilà, c'est un tout nouveau camouflage qui a été introduit par Fortnite dans la boutique. Du coup, n'hésitez vraiment pas à sauter sur l'occasion si jamais vous avez envie de vous le procurer, parce qu'il est là pour une durée limitée, comme d'habitude. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère que ce petit leak du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite, parce que moi j'aime énormément de voir un petit peu tous ces leaks arriver dans le jeu. En tout cas, gros pouce bleu si c'est le cas pour vous aussi, et n'hésitez pas aussi, le plus important bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous savez très bien que toutes les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup, si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information. Du coup les gars, c'est Speakeasy, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur Fortnite. À la prochaine les aliens.